When I saw her face, now wanna believe me. Un baiser pour un amour sans heure. Salut les ploups. Comment ça va? Bah évidemment que ça va mal parce que j'ai une vidéo back to school, donc c'est bientôt la fin des vacances. Mais c'est pas grave, on est together et on va dead ça chacal. Bon les gars, c'est une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram. Petite pause pub, abonnez-vous à moi sur Instagram, sinon vous allez avoir 7 ans de malheur. Et c'est pas un mytho, je contrôle l'univers. Bref, vous m'avez demandé cette vidéo sur Instagram et du coup je m'exécute parce que je suis votre chienne. Bref les ploucs, en vrai c'est une vidéo que vous voulez de où voir et du coup je me suis dit je vais vous montrer tout ça. Je vous avoue je ne comprends pas vraiment pourquoi ça vous intéresse. Je vais vous montrer une trousse et un cahier. But vous le voulez, je vous fais plaisir. Bon, on va commencer par la base de la base. Le sac. Bon, j'ai pris exactement le même que l'année dernière. Pourquoi le soleil il part quand je fais mes vidéos alors que depuis tout à l'heure il me brûle la tête là? J'ai pris exactement le même sac de l'année dernière parce qu'il est toujours en très bon état et que j'ai pas envie d'acheter pour surconsommer, genre acheter un sac chaque nouvelle année. Frère, le jour où j'aurai le compte bancaire de Kim K, why not? On verra. Mais là c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, c'est parti, je vais vous présenter mon sac. C'est un sac en cuir couleur camel. Il a deux anses comme ça, donc c'est trop cool. En mode vas-y, t'es là en mode paparazzi, tu peux le prendre comme ça. Et quand t'es en mode vas-y, un peu flemme et tout, genre je relâche la vie, t'as la bandoulière qui est là pour ça, en mode je suis insupportable comme meuf. Comment vous faites pour bien m'aimer? Ça se trouve vous m'aimez pas. Est-ce que vous m'aimez? Qui m'aime? L'intérieur est vraiment trop pratique. Déjà t'as deux grandes poches, deux grands compartiments. À l'intérieur t'as une poche zippée. Là t'as une mini poche où je mets mes serviettes hygiéniques. En vrai je mets que des culottes menstruelles, mais au cas où. Genre des fois tu ne prévois pas, ça arrive. T'es là en mode ok, d'accord. Ok, bref. Et ici c'est des sortes de petits trucs là où je range mes antisèches. La marque, il me semble que c'est un Abaco Paris. Et il était un petit peu cher mais ça va. Bref, on commence sur un petit peu tout ce qui est genre le spicy de la vidéo. Puisque j'aime trop les trucs, enfin les cahiers, vas-y tout le monde sait ce que c'est qu'un cahier. Moi je veux les trucs un peu plus... Déjà cette année, j'ai investi. Déjà je vous mens parce que c'est ma mère qui les a achetés et moi j'ai rien payé. Merci maman et je vais voler parce que de base c'était pour elle. Mais genre elle m'a dit prends-les parce que ça lui sert pas. Donc je les prends, du coup c'est pour moi. Du coup, il y a 20 stylos comme ça et j'aime trop parce que moi j'aime trop mettre de la couleur dans ma vie parce que le cours c'est tellement triste qu'il faut mettre un peu de couleur. Du coup voilà, il y a toutes les couleurs pastel et tout, je trouve ça trop beau, je vais faire mes meilleures fiches de cours. Ensuite, ça c'est... Non mais vous allez me prendre pour une folle. Mais j'adore les gels antibactériens, j'en ai toujours dans tous mes sacs et tout, c'est un truc que je kiffe. Et Merci Andy, c'est une marque que j'adore parce que bah ça sent bon et en plus là c'est un truc astrologie. Du coup bah j'étais obligée de m'en reprendre, il y a absolument tous les signes astro. Oh, c'est quoi votre signe astro en commentaire? Dites-le moi. Moi c'est Poisson, je suis là. Continuons. Cette année, à cause d'une amie, elle m'a fait dépenser, mais je me suis acheté ça. En gros, j'ai acheté, c'est un journal sur 5 ans et c'est trop pète sa mère. Par exemple, pour le 2 octobre, ma question du jour, c'est une envie irrépressible. Donc voilà, et en gros, t'as pour 5 ans. Et du coup, tu vois un peu comment ton mental change sur 5 ans et je trouve ça dingue. En plus, il est trop beau, genre en mode doré, je sais pas, j'aime bien. Et il coûte 12,90€. Donc sur 5 ans, ça commence, ça va, tu vois. Alors, moi, je suis quelqu'un qui vole tout le temps l'école aux autres. En fait, cette année, je n'avais pas de trousse. Et aujourd'hui, je me suis dit, prends des résolutions. Du coup, j'ai acheté de la colle. Donc, à toutes les personnes de mon école, je ne vous volerai plus. J'ai acheté des crayons à papier pour pouvoir dessiner parce que je suis très douée. Et j'ai acheté... Oups, j'ai tout fait tomber. Attendez, en fait, genre, on n'a rien vu. Et j'ai acheté des stabilos. Donc, je prends tout le temps les mêmes. Je prends pas les pastels parce que... Bah, je sais pas. En fait, je préfère les pastels, mais je prends eux. Ma vie est triste. Et ça, des stylos 4 couleurs. Et les gars, avouez, c'est sûr, on s'est tous déjà fait voler des stylos 4 couleurs. Et sérieux là, vous prenez pour qui à voler? Il y a marqué Banque de France, Carrefour. Malade. Et cette année, j'ai même acheté une gomme. Genre, elle est toute neuve. J'ai jamais eu une gomme neuve de ma vie. Donc, je suis un petit peu émue. En plus, c'est la vraie marque. Genre, c'est même pas la sous-marque. Donc, je me sens très riche. Attendez, parce que j'ai aussi acheté des stylos sous-marque. Parce que moi, j'adore les stylos sous-marque. Genre, même la bouffe sous-marque, je trouve que c'est meilleur que la marque. En plus, c'est moins cher. Ah, ils sont là. Ouais, la marque, en fait, c'est vraiment des Eco Plus. Et je les adore parce qu'en plus, il y a plein de bleus. Donc, ceux que j'utilise le plus. Il y a pas mal de noirs et quelques rouges. Donc, c'est parfait. Ensuite, cette année, j'ai décidé de m'organiser comme une reine. Du coup, des intercalaires qui sont un peu genre carton. Et des intercalaires
tout mou. Comme ça, je sais pas. Je verrai si j'ai envie d'être dans un mood un petit peu dur ou un petit peu mou. Après ça, j'en ai pas racheté des nouveaux parce que j'en avais encore plein de l'année dernière, parce que j'en achète beaucoup trop à chaque rentrée. Et cette année, je me suis dit, te fais pas avoir. Mais voilà, bah, des pochettes perforées, parce que moi j'aime trop faire mes petites fiches de révision et les mettre dans des pochettes. Puis oui, je suis encore une enfant en CP. Et alors, du papier craque, du papier millimétré, parce que je me dis, comme je suis... Ah oui, je vous ai pas dit, je suis en communication. Mais je me suis dit, si jamais on doit dessiner des logos ou des trucs comme ça, bah ça peut être cool. Le classique, des copies doubles pour pouvoir exceller et avoir des bonnes notes. Après, bah du coup j'ai pris des cahiers simples et j'en ai pris un violet parce que j'aime bien le violet, c'est la couleur du féminisme. Donc voilà, c'est cool. Et ce que j'aime trop, c'est que genre c'est le plastifié. Donc ça c'est cool, je peux les balancer dans ma chambre si j'en ai marre. Ensuite, pour mes révisions, j'utilise toujours un truc comme ça. Bah j'en ai pris un transparent. On passe au classeur. Alors cette année, je me suis dit... Tu n'en rachètes pas parce que j'en ai qui sont encore en super bon état. Un noir, je trouve ça trop beau. Vraiment, il est trop beau. Voilà, c'est juste un classeur, mais je le trouve stylé. S'il vous plaît, dites-moi que mon classeur est stylé. J'ai pris un vert aussi parce que j'ai une passion pour le vert, les gars, en ce moment. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est un transparent. Et voilà, je me suis dit, c'est transparent comme ça. Si je l'ai pendant les cours, je peux un peu tricher. Pour mon ordi qui est juste là, c'est avec le truc où je note mes cours. De base, j'avais une sorte de pochette rose fluo, mais en fait elle était nulle, genre c'était vraiment pas de la bonne qualité. Je me suis dit, mais au prix de ton ordi, investis un petit peu. Du coup j'en ai pris un qui fait un peu plus adulte déjà, donc c'est pas mal. Il est super cool, genre il y a une sorte de petit truc en mode aimanté, donc vraiment il peut pas tomber votre ordi, genre c'est vraiment cool. Il est grand, enfin, c'est la taille de mon ordi. Et derrière t'as même une petite pochette, donc c'est trop cool si genre, je sais pas, t'as envie de mettre 10 000 euros, tu peux les cacher ici. Ça, c'est ma petite trousse genre pochette de survie. Donc en vrai, j'ai la même depuis des années. C'est une Guerlain qui tient pas très bien. Regardez, elle est un petit peu pétée dans tous les sens. Mais à vrai dire, je m'en fous. Dedans, j'ai un chouchou, tout rose parce que je suis une pop star. Une clé USB. J'ai des Doliprane parce que quand les gens parlent, ça me fait mal à la tête. Je suis pas très sociable. Et quelques stylos, un peu d'argent. Normalement, il y a des chewing-gums, mais là, je les ai finis. Attendez, j'avais un autre truc à vous montrer. Bah, elle est où ma trousse? Non, mais les gars, j'ai perdu ma trousse. Qui perd sa trousse? Mais c'est une blague. Relais plouc. Bon, ma caméra elle est coupée, on ne m'en veut pas. Et si tu m'en veux, va te faire foutre. Bref, je voulais juste vous montrer ma trousse. Cette trousse, je rachète tout le temps la même depuis, je crois, genre la quatrième. Elle est en cuir. Je l'ai achetée à Carrefour. Bref, c'était l'update de la trousse. Bref les poucs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en quelle classe vous allez en commentaire. Et moi je vous aime fort et je vous souhaite une très belle rentrée. Et j'espère que cette année tu vas avoir ton crush dans ta classe. Bye.